Moi, j'ai le frein de bouche sur Doc. Par exemple, un mec comme Sneaky joue avec le frein de bouche sur Doc, il me semble. Mais je trouve pas ça ouf. J'aime Ah oh, pas. putain, bah putain, mais c'est un rond pipi, ça arrêtait pas de. Je voulais que ça se stoppe, mais ça continuait. Sérieux, c'était jamais fait un pipi aussi long que ça, je crois. Genre, à un moment, j'ai cru que les chiottes allaient déborder. C'est. Non, sérieux, mais c'est parce que je bois trop, je pense. À ta gauche. Ouais, t'as raison. Utilise ta compétence. Fais gaffe, t'es repéré par Jackal. J'ai ça, j'ai ça. Il est là. Lui, il sait que t'es là aussi. Oui, c'est bon. Interrogation? Interrogation, be ready. Tout sur le toit. C'est un sur le toit, deux sur le toit, trois sur le toit, tout sur le toit. Tout sur le 3. Hein. Le 3 2017 ou 2018? J'ai des bonnes vannes. Ok. Welcome to the Salty Academy. Ok, il est tombé, tu l'as eu. Nice. Oh, c'est tiraillé. Non, non, come on, cover me, cover. Cover Mary, hein. Ouais, fais sonner. Non, j'ai pas d'argent, nice, je recrute. What? Oh merde. Oh merde, désolé. Je suis désolé. What? C'est la première fois que je fais un TK, qu'est-ce qu'il raconte? C'était calme. Hein. J'ai vu du mouvement, j'ai tiré. Mec, il avait tout se passé bien. L'autre m'avait réussi à me sauver. et l'autre, il n'y a personne dans le frigo. Le frigo est safe depuis tout à l'heure et tout. Il n'y a plus personne sur site. Et le mec arrive à te coller un énorme TK. Normal. J'arrive, les mecs! Next time, you don't énerve about me. Hein. I have pas fait exprès. It's not my fault about the TK. Ça pousse sur site? Ouais, ouais, ça pousse sur site. C'est rentré, c'est sur A. T'es sûr? Oui, c'est sûr. C'est sur moi. Je sais pourquoi je tire pas, je suis con. Time expires. Mon père s'appelle Bernard. Alors les caméras de Valkyrie, il y en a un qui demandait là. La première, tu la mets ici, ok? Parce qu'il faut qu'elle soit exactement sur la ligne de ce truc-là. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'avoir absolument toutes les informations oui, mais... sans qu'elle soit vue par la porte qui est là-bas. Ok, t'as compris ou pas? T'as compris? Ou je te le refais. Je pense d'accord pas que... Regarde. Je pense qu'il y a un peu. La porte qui est là-bas. La porte qui est là, là, la caméra ici, pas vue, d'accord? Mais tu as les informations. Pas vu, pas pris. J'ai du mal, donc je suis vraiment pas chaud. Deuxième caméra de Valkyrie, on va aller la mettre exactement ici, derrière ce truc là. Même principe, elle est pas vue sur un certain angle, mais elle donne quand même énormément d'informations. En revanche, vu que je suis pas un Valkyrie main, je n'arrive pas à lancer les caméras comme il faut. Parce que je suis un peu nul à Yesh, ok? D'accord? Donc je vais essayer, donc je vais me rapprocher en fait pour pas me louper. Voilà, et je me suis loupé, excellent. Elle devrait être plus haute, mais ça va passer quand même. Je prends les informations. Et on va avoir un mec très loin là-bas, non? C'est un mec ça? Ah non. Et regardez ce qui va se passer là. Oh bah toi. Allez les gars. Dans quelques secondes, je vais mettre une. Allez, vas-y, on fait un truc de ouf. Hop. 1, 2. Non, je suis trop con! J'ai glissé, chef. Il est passé où? You have entered an enemy controlled area. Leave now. Ça rentre white stairs, fast. Ok, fenêtre white stairs, Bibi. C'est bon, je l'ai refait reculer. J'ai Bibi à la fenêtre de White Stairs et j'avais Finca qui cherchait à monter, je vais faire tuer en... Bon, c'est pas ouf. Ils vont être où? Ils vont être au top, ouais, ils vont être au top, on doit prendre Ying.
On prend Ying. Prends un Blackbird. Okay. Blackbird. Blackbird. Blackbird pris. Ok. Pour être fort à Rainbow Six, il faut tout simplement mettre le jeu en japonais. Voilà. Vous avez la solution. C'est un tricks. C'est tout bête. Mais grâce à ça. Grâce à ça, ça améliore vos perfs. Y'a un mec qui est mort ou quoi là? Putain, je me disais, y'avait un mec là quoi. Faudrait faire péter ça là. We need you, Kingslayer. Je crois que je vais m'en utiliser. Viens, viens, Skull, viens. Viens te mettre en rappel à cette fenêtre là. Fais gaffe, décale-toi. Descends pas sur la fenêtre. Autrement, s'il est allongé là, t'es mort, tu vois. S'il ouais. est allongé en dessous de la fenêtre, t'es mort. Tu peux surveiller le bac. J'ai mis une clé mort sur l'autre et y'a un castle sur l'autre. Ok. Y'a personne dans le coin pute à droite. Y'en a un dedans. Y'en a peut-être un qui joue la verticalité en dessous. Attends, ils ont double renfort. Non, ils ont renforcé. Simple. Vas-y, je rentre. Je tente. Je plante. Vas-y, je te couvre. Couvre-moi à gauche là. Contact à gauche. Ouais. T'es un monstre. Ouais, c'était un monstre. C'est le trou que j'ai fait, non? Je sais pas, mais la dernière balle, je sais pas comment elle est partie. Regarde ça. Je suis un ouf. Tu voulais des kills? Bah, voilà des kills, mec. C'est gratuit. White stairs. Les gens qui se posent des questions par rapport au FOV et tout, machin truc. En fait, le FOV, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, choix, d'accord? Sur tous les pros qui jouent à l'heure actuelle, il y a des personnes qui vont de 90 à beaucoup moins. En sachant qu'il y a quand même beaucoup plus de personnes qui sont quand même au-dessus de 75 qu'en dessous de 75. Si vous tapez Rainbow Six Pro Settings, vous avez un site internet, c'est pas le deuxième sur Google, c'est pas le premier, c'est le deuxième, qui est très intéressant et qui va vous donner toutes les FOV de tous les pro players du moment, actifs du moment, bien sûr. Donc ça c'est pas mal. Et donc ça dépend de plein de choses. Parce que si tu joues beaucoup à la COG avec du combat très serré genre Junas, en règle générale tu vas vouloir avoir énormément de vision périphérique. Si tu tiens des lignes et que tu joues Glaze et que t'attends pendant 2 minutes pendant que tes potes sont en train de faire et que tu prends des pixels lignes, dans ce cas là faudrait peut-être avoir un FOV un petit peu plus réduit. Et puis après ça dépend de ce que t'aimes, tout simplement. Donc voilà. Et puis il y a un autre truc. C'est que le ratio, puisqu'on parlait de ratio. Le ratio joue sur le FOV. D'accord. Donc le ratio va changer le field of view. Un ratio de 16 dixièmes, tout n'est pas affiché, autrement l'image, elle serait absolument tout le temps compressée, ce serait dégueulasse. Donc il y avait quelqu'un qui l'avait fait sur internet et c'était vraiment très intéressant, qui mettait combien d'images vous perdez en fonction du ratio. En règle générale, les trucs 4 tiers, 5 tiers, c'est là où tu as le moins de vision périphérique. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que la plus petite vision périphérique possible, ce serait un truc du genre 4 tiers ou 5 tiers en 60 de FOV. Et la plus grande, c'est 90 de FOV en 16 dixièmes, il me semble, ou 16 neuvièmes. Voilà, ça c'est la plus grande vision périphérique. Donc moi, j'ai fait le choix d'avoir un petit FOV, 64, mais un grand ratio, 16 dixièmes. Ouais, je sais pas si c'est très clair, mais dans ma tête ça l'est, donc c'est le plus important, non? Il est mort où l'autre? Allez, go montagne, go. T'es mais fais peur l'autre. Je croyais que c'était un ennemi qui était derrière la montagne. Non, dégage, H. Mais tu es chiant, hein. T'es vraiment. Derrière, le C4 derrière. Non. Il était devant le C4. Et voilà, Skull Copper qui a zéro brain. Zéro aim. Non, tais-toi. Zéro. Je veux bien que tu te moques de moi, mais en silence. Zéro. Il va rager. Relou, parce qu'il va dire que c'est de ma faute si il a raté ce kill. Alors t'es qu'il a tiré. Je t'entends pas. Mais en triangle isocèle. Maintenant, je te touche. Et là, tu vas faire un ralenti, enculé, pour dire que t'étais pas du tout. Là, c'était la ceinture, là, tu vois. Hein? Non, par contre, ce que je vais faire, mec. Il y a peut-être un.
Il y a peut-être un point bonus, il a peut-être une ceinture d'explosif, ça peut peut-être péter, je sais pas, essaye, non, espèce de petit trou du cul. T'inquiète pas que je vais te rappeler quand on va perdre cette game non, et que tu non. vas perdre des points, je vais te rappeler à quel point ça va être très intéressant de non, voir mais mec, tu crois vraiment que tu aurais clutché? Combien de fois t'as clutché dans ta vie? Mais mec, je fais beaucoup de... En 1v5, franchement, je fais beaucoup de 1v4. T'as remarqué? Beaucoup. Hein, et là, ils étaient plus que deux, donc là, je pouvais le faire. Ouais. Did you see that? It's a 180! That's a fucking 180 fleek motherfucker! Motherfucker! I'm a professional player!